Bonsoir à vous toutes et à vous tous, il est 18h, vous êtes sur 01 TV comme chaque jeudi, c'est 01 Live Hebdo, le débrief de l'actualité high-tech de cette semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. 15 gigabits par seconde, vous ne rêvez pas. C'est ta connexion à la maison ? Bientôt, ce sera bientôt ma connexion, j'espère, dans quelques années peut-être. C'est une performance technique signée Orange et Ericsson à laquelle a assisté Amélie Charnay. C'est de la 5G et on en parle ce soir dans 01 Live. Jérôme, tu sais quoi, on va parler beaucoup de télécom. Là, on va se faire un chapitre chouette télécom ce soir et on va évoquer la nouvelle box de Bouygues. Et puis SFR qui muscle aussi ses réseaux fixes et mobiles. C'est vraiment la semaine des télécoms là. Hein. Que faire en cas de cyberattaque, François, si on s'en prend à ton disque dur ? Aïe, aïe, aïe. Via un ransomware, par exemple, on ils en parle. Ils vont pas être déçus parce que moi, en plus, c'est la telle pagaille sur mon disque dur que franchement, ils lâchent l'affaire après. Ne l'attaquez pas, vous seriez déçus. On en parlait en début de semaine hein, avec le salon FIC à Lille. Eh bien, on va en reparler un petit peu. Et justement, si vous êtes face à une cyberattaque, il y aura bientôt une plateforme publique pour vous venir en aide. C'est Noémie Lefebvre-Marek qui va nous raconter tout ça. Et puis tout à l'heure du côté du Labo 01net, on a déniché un petit smartphone sympa. Bon, d'accord, il coûte 4000 euros. Mais alors pour 4000 euros, vous en avez pour votre argent. Hein. Enfin, c'est pas sûr d'ailleurs. On va voir ça tout à l'heure. Et puis aussi un sac à dos. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Un sac à dos, regarde comme il est beau. Il est un peu spécial puisqu'il est taillé pour la réalité virtuelle et c'est Aymeric Siméon himself qui viendra nous en parler. Ça doit être sympa. Ah oui. Comme chaque semaine dans 01 Live, la question 01net Orange. Et cette semaine, craignez-vous les cybermenaces ? Donnez-nous votre avis, un peu, beaucoup, pas du tout. Pour voter, c'est très simple, vous allez sur 01net.com, vous nous donnez votre avis, on fait le point tout à l'heure. Le hashtag 01Live sur Twitter, nous sommes en direct. N'hésitez pas à réagir à tous les sujets qu'on évoque, vous êtes les bienvenus. Et je me connecte sur Twitter, hashtag 01Live, et je vois qu'il y a déjà du monde. On aura sans doute des questions après le sujet que nous allons aborder maintenant. Oui, tu t'es connecté en 15 gigabits seconde, là, sur Twitter ? Oui, exactement. Tu vas avoir les tweets qui arrivent avant qu'ils soient écrits, exactement. Tellement ça va vite. C'est tout à fait ça. Formidable. J'ai déjà les tweets de 18h15. Ça, c'est beau. C'est fabuleux. Amélie Charnay est avec nous. Bonjour, Amélie. Bonjour. Journaliste à 01net.com, notre spécialiste télécom. Dis-moi Amélie, t'as pas chômé cette semaine, hein ? Les annonces d'SFR, la box 4G de Bouygues, les expérimentations 5G d'Orange, ils ont choisi tous la même semaine. C'est la semaine des télécoms. Voilà, c'est ça. Et je vous annonce le programme, en février, il y aura des annonces commerciales sur la fibre qui seront intéressantes. Et on aura aussi le show et l'eau Orange. Oui. Probablement un peu plus tard que d'habitude, pas au mois de mars, mais peut-être vers avril. Il y aura des annonces aussi. Et on a toujours la box, la Freebox V7 qu'on attend. Oui. Que je pense que le l'année 2017 va être chaude. Et oui, puis Orange qui s'apprête aussi à lancer son service bancaire, hein, Orange Bank. Alors, on va commencer par quoi, Amélie ? On commence par la 5G ? La 5G, parce que c'était la première expérimentation, je vais y arriver, en France. Il y a déjà eu des expérimentations ailleurs dans le monde. Alors, c'était dans un laboratoire, hein, faut pas s'imaginer qu'on va avoir ça demain sur son smartphone. Oui, c'est ça, c'est pour faire de la 5G, il faut cette grosse machine. C'est pratique. Alors, ça n'est pas que cette grosse... Là, on voit la chambre anéchoïque, j'ai réussi à le dire. Bien. Donc, en fait, on est obligé de confiner le matériel en fait, dans cette chambre pour pas qu'il y ait d'écho, pour pas que les mesures d'ondes soient perturbées. Waouh. Et évidemment, c'est pas vraiment les conditions qu'on rencontre nous dans la vie de tous échoïque, les jours. Ça veut dire sans écho. Voilà. Ah oui, c'est dans le nom. C'est logique. Hein. Donc, logique. Alors, on n'a pas un petit smartphone encore. Le matériel de test, vous voyez, ça, c'est le terminal. Donc, ça n'est pas que le module que le monsieur déplace. Hein, ça ressemble vraiment à une imprimante. C'est énorme. Wow. Donc, qui est distant de... Alors, on le voit là, en fait. Vous voyez, ça, au premier plan. C'est ça, le terminal. D'accord. Donc, à 4 à 5 mètres de distance seulement, et c'est pas ce qu'on rencontre, nous, il y a l'antenne relais. Donc, évidemment, nous, quand on marche dans la rue, on est souvent beaucoup plus loin, voilà. Oui. Donc, heureusement, dans un sens. Oui, il paraît qu'il faut se mettre juste un mètre de distance pour pas avoir de problème. Pour pas, hein, donc, d'accord. À 50 cm, on grille, mais à un mètre, tout va bien. Oui, c'est ça.
Bah, non, tu sais, c'est un peu comme le barbecue, hein. T'as un mètre, tu risques rien, tu mets ta main sur la braise. Très bonne analogie. Oui. Ouais, ouais. Bah, et donc, il y a eu juste une transmission de données en download. Et Orange, dans son communiqué de presse préparé à l'avance, avait dit, vous allez voir, on va atteindre les 10 gigabits par seconde. Et en fait, quand on y était, ils ont largement dépassé, on va peut-être pas le voir là sur l'écran, mais ils ont largement dépassé les 15 gigabits par seconde. Mais déjà, on est à 14, c'est énorme. Gigabits, c'est énorme. Un truc de fou. C'est pas un record, il y a déjà eu mieux, mais c'est la première fois, je trouve, que l'expérimentation est faite de façon aussi transparente. Il y avait des journalistes qui étaient là, et on a vu des gens comme Fujitsu qui annonçaient des records bien plus élevés, mais en mettant le terminal et l'émetteur à quelques centimètres de distance. Oui, ils trichent. Donc, donc là, tout est clair, on connaît parfaitement dans quelles conditions ça a été réalisé, c'est énorme. Quelle distance? Donc 4 à 5 mètres. 4 à 5 mètres, c'est pas énorme quand même. Non, c'est pas énorme, si on s'éloigne, on va perdre en débit. Oui, mais si tu as 15 gigabits à 5 mètres, tu peux imaginer avoir toujours 1 gigabit à 500 mètres. C'est ça la force de cette expérimentation. Mais en plus, il y a un truc qui est bizarre, c'est que la 5G, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Encore aujourd'hui, ce n'est pas encore vraiment défini techniquement. Bah, ça commence, Il n'y a pas de normes officielles. Oui, on peut avoir quand même une petite idée. Donc, ce qui n'a pas été décidé, c'est exactement quelles seraient les nouvelles fréquences. Mais on connaît la gamme dans laquelle se situeront. Donc, on sait que là, ce qui fait la force de l'expérimentation d'Orange donc cette semaine, c'est d'avoir utilisé des ondes centimétriques, donc ça veut dire entre 3 et 30 gigahertz, et elles ont la faculté, ces ondes, d'offrir une largeur de spectre bien plus haute, c'est des hautes fréquences, donc le débit est bien plus important. Le corollaire, c'est que ça va moins loin et que devant un obstacle, ça résiste pas. On sait qu'il faudra d'autres fréquences, celles qu'on utilise déjà pour la 4G, mais l'arrivée de ces nouvelles fréquences va permettre vraiment de doper le débit. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, Amélie, hein. 2022, hein, 2020, une ville par pays d'Europe qui sera ouverte. Donc on peut imaginer que ça se généralisera dans 5 ans, pas avant. Ouais. Mais c'est intéressant, on parlera beaucoup de la 5G au Mobile World Congress. Voilà, ça c'est tout ce que je peux vous dire, parce que véritablement les opérateurs sont à fond, et on en parlera, puisque évidemment ZeroNet TV sera au Mobile World Congress, et on va vous faire vivre ce salon d'une manière encore jamais vu. On va être partout, tout le temps, avec des lives, on va vous retransmettre des keynotes, etc. Ça va être top. Extraordinaire. On a une question de Caribou sur Twitter, enfin c'est pas une question d'ailleurs, qui nous dit, j'ai des difficultés à recevoir de la 3G et maintenant on nous déploie déjà de la 5G, de qui se moque-t-on? Ben oui, mais ça c'est réaction classique, c'est le commentaire qui revient tout le temps, mais en même temps, ils sont obligés de préparer l'avenir, même si la 3G n'est pas déployée partout. Oui, il y a quand même un plan très haut débit qui existe de toute façon, et je sais, enfin l'État le dit, de toute façon, au niveau du territoire, la population elle sera couverte au bout d'un moment à 99%, le territoire ne sera jamais couvert à 100%. Bien sûr. Il ne faudra pas s'attendre à avoir partout de la connectivité. Je voudrais juste revenir sur ta question, disais que, et toi aussi, que la 5G, on ne savait pas encore tout à fait ce que c'était. Alors même si effectivement les bandes de fréquence sont encore totalement choisi, on connaît la gamme, et surtout les techniques, elles existent déjà. D'accord. C'est pas encore standardisé, mais on les a. Et ce qui va être génial avec la 5G de nouveau, c'est ce qu'ils appellent la faculté de focaliser, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, pour envoyer des ondes sur un terminal, il fallait arroser tout l'espace. Et là, on va pouvoir focaliser les ondes sur le smartphone, donc on va perdre moins en énergie et on va gagner en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, l'émetteur va savoir où est le terminal qui demande de la donnée et va pouvoir envoyer les ondes typiquement vers le terminal au lieu d'arroser comme ça bêtement, comme une douche. Au lieu que ce soit une pluie qui mouille tout. Ça s'appelle, le nom savant, c'est du beamforming. Et ça existe déjà dans le Wi-Fi haut de gamme. Ça existe déjà, mais là, il y a une autre couche supplémentaire que Orange a réussi à développer. C'est qu'en plus de ce beamforming, donc c'est-à-dire des ondes focalisantes, il va y avoir du beam tracking. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire en suivant quelqu'un qui est en mouvement. Et même quelqu'un qui est à 300 km/h dans un TGV. Donc là, on a atteint un niveau technologique. Logique, ça c'est sûr que ça va être utilisé dans la 5G. Ça c'était Orange. Voilà. Autre actu télécom, parce qu'il y a SFR et Bouygues aussi. C'est Bouygues qui a annoncé notamment cette petite box qui est toute rigolote. Regardez ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un objet connecté, ça ressemble à une petite enceinte. Ça ressemble à le truc d'Apple, là, mais en beaucoup plus petit. Oui.
Hein, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le... Vous voyez ce que je veux dire, hein, oui, le... qu'on a là-bas. Alors c'est, oui, c'est bête parce qu'il est juste de l'autre côté du studio parce qu'on s'en sert, nous. Je ne me souviens plus du nom. Enfin bref. Ça va revenir. Ça donc va voilà. Donc elle s'appelle, le nom officiel, c'est la 4G Box de Bouygues. Alors il ne faut pas s'imaginer une box triple play comme on a chez nous. Hein. Alors c'est quoi? C'est un routeur en fait qui est fabriqué par Huawei et qui existe dans le commerce d'ailleurs si on veut l'acheter déjà depuis un ou deux ans. Qui coûte à peu près 130 euros. En fait, l'intérêt de cette box, c'est toute l'offre commerciale qu'il y a derrière. Parce que technologiquement, elle offre un Wi-Fi qui n'est pas complètement dingue, il y a deux antennes en émission, deux antennes en réception. Oui, c'est un domino 4G finalement. Voilà. Mais donc à l'intérieur, il y a une carte SIM, Bouygues Télécom, d'ailleurs. C'est très simple au niveau connectique, c'est quand même très minimaliste. Donc oui, vous recevez ça, je vais peut-être le... Dans le micro. Donc la carte SIM, vous la mettez ici et elle vous offre de la data illimitée. Donc ça c'est génial. C'est destiné uniquement aux zones rurales, là où la couverture mobile de Bouygues Télécom est suffisante et là où la fibre n'est pas près d'arriver. Donc, en gros, et où la DSL pêche. La nouveauté dans ce truc-là, c'est que pour la première fois, on a une offre 4G vraiment illimité. Parce qu'aujourd'hui, la 4G est toujours capée. C'est-à-dire qu'on a maximum, peut-être chez Free, je crois 50 gigabits par mois. Mais après, le débit est réduit. Là, il n'y a pas de limitation. Oui, ce qu'il faut peut-être qu'on précise, c'est que c'est pour obtenir une connexion fixe l'intérieur de chez soi. Avoir le confort du très haut débit à la maison en 4G. D'accord ? C'est ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de zones... Quand on n'a rien d'autre. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de zones où on n'a pas de très haut débit, que ce soit de la DSL ou de la fibre optique, mais qu'on capte quand même de la 4G. Il y a beaucoup d'endroits comme déjà, ça. Déjà, les zones en France, on estime, je crois, à 50% la part de la population qui pourra être couverte rapidement d'ici 2022 en fibre. Donc vous faites le calcul, il reste 50% de la population qui va être exclue, quasiment. Donc, alors j'ai pas les chiffres, mais oui, il y a un certain nombre d'agglomérations. Il y en a déjà une bonne dizaine qui va pouvoir bénéficier de cette offre. Je crois qu'à terme, Bouygues annonçait 7 millions de foyers éligibles à cette offre quand même, donc c'est pas rien. C'est pas mal. Ouais. Très bien. Ça, c'est disponible. Donc, si par exemple, je suis dans une grande ville, je ne peux pas prendre ce service. C'est-à-dire que Bouygues va nous orienter vers un autre service fixe, ADSL ou fibre. Oui. Mais en revanche, je suis dans un petit village, j'ai pas d'ADSL, je capte de la 4G, je peux bénéficier de cette box. Voilà, alors j'ai réussi à la tester. Alors c'est 29,99€ par mois quand même. Et il y a la location en plus à ajouter de 3€ par mois. D'accord, mais pour tous ceux qui n'ont pas d'ADSL, pour 33€, ils ont du haut débit à la maison quand même. C'est ça, donc revanche c'est que Internet, il n'y a pas de téléphone avec. D'accord. Alors qu'ils auraient pu, hein, parce qu'il y avait une prise de téléphone, mais elle n'est pas activée. Peut-être dans un second temps. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Et on n'a pas du tout les fonctionnalités qu'on a d'ordinaire dans une box. Donc pas de disque dur, pas d'espace de stockage dans le cloud, pas de télé. Voilà. Ouais, c'est le régime minimum, c'est que de l'internet. C'est ça, mais c'est. Mais tu l'as testé et ça marche bien. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant qu'il la commercialise lundi dernier, j'ai eu tout le week-end pour la tester en région parisienne, en zone dense, et lundi, ça a été désactivé. Donc, alors la grande surprise, c'est qu'en upload, j'ai eu des scores bien meilleurs qu'en ADSL. Bon, j'ai une connexion ADSL qui n'est pas terrible, mais donc typiquement, toi, tu peux être une bonne cliente pour ce genre d'appareil. Voilà, moi, j'ai moins d'un mégabit. En upload. Sauf que tu habites en ville. J'habite en ville et donc, avec cette box, j'ai atteint les 25 mégabits par seconde. Donc toi finalement tu pourrais rentrer dans une dans le oui la mais je pense que client. Je ferais exploser le réseau, le réseau 4G de Bouygues Télécom en fait. C'est et en dans l'autre t'avais combien? Alors pas terrible, à peu près la même chose qu'en ADSL. D'accord. En revanche, autour de 10 mégabits par seconde. Bon, ce qui est déjà pas mal pour tous ceux qui ont un ADSL vraiment poussif. Hein. Donc c'est une solution qui est innovante, qui est pratique, qui est intéressante. Et ça va être en attendant de pouvoir déployer la fibre un peu partout en France, mais ça va prendre des années, il ne faut pas se leurrer. C'est clair, il y aura toujours des zones où on aura besoin de ça. Autre actualité télécom, c'est SFR, qui a fait une conférence de presse lundi. Pour dire, ben voilà, écoutez, on booste notre réseau, on met des milliards sur la table et vous allez voir, on va être les meilleurs bientôt. Oui, ils ont annoncé. En gros, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, ils ont annoncé pas mal de choses qui couvraient maintenant. Ils ont encore du boulot, hein, parce que pour être les meilleurs, c'est pas encore le cas. Hein. Ils ont pas mal de problèmes de réseau. Oui, mais alors au niveau du déploiement, ils sont vraiment, j'allais dire, les plus actifs. Alors au niveau du mobile, ce sont eux qui ont le plus d'antennes 4G, alors pas mises en service, mais en tout cas de sites autorisés. Mm-hmm. Ils vont probablement devenir ceux qui auront le plus d'antennes 4G d'ici peu.
Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont la meilleure couverture, hein, parce que ça dépend des bandes de fréquences qui sont utilisées. Mais donc en mobile, ils ont énormément rattrapé leur retard. Donc maintenant, ils couvrent 81% de la population et bientôt 89%. Et surtout en fibre, ils reviennent à l'attaque. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé en fait des performances. Je ne sais pas si vous aviez suivi la polémique sur l'usage du mot fibre. Oui, bien sûr. Mais oui, depuis, entre le câble qui était associé fibre, à la fibre optique, voilà. Le FTTB en fait et le FTTH. Voilà, donc ouais. Le FTTH c'est jusqu'à l'abonné et le FTTB en fait il y a une terminaison en câble coaxial. Mm-hmm. Quoi. En cuivre. Alors en fait, qui permet des débits excellents hein, d'ailleurs. Oui, mais pas en upload. Ouais, et là, la grande nouveauté, c'est que SFR annonce avoir modernisé son réseau et pouvoir atteindre maintenant des débits en upload de 100 mégabits par seconde et d'ici 2018 de 200 mégabits par seconde, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui en fibre. En fibre. Donc, en fibre, ils se remettent à nouveau à parler de fibre pour le FTTB. D'accord. Pendant toute la conférence de presse, ils nous ont parlé de fibre en fait. Bon, bah c'est cool. Donc, très bien. Mais en tout cas, voilà, SFR qui met plusieurs milliards sur la table pour rattraper le retard qu'ils avaient dans le réseau 4G, pour arriver en 2018 à être au niveau d'Orange, voire même les dépasser, c'est leur ambition. Hein. Oui. Est-ce qu'ils vont réussir à atteindre ce pari? On verra bien. Et beaucoup d'ambition dans la fibre aussi. Exactement. Amélie, merci. Voilà, c'était notre petit quart d'heure télécom. Mais il faut sur régulièrement, c'est quand même l'écoute les télécoms, c'est comme si on s'intéressait aux voitures sans s'intéresser aux routes. Oui, hein, ou à l'essence. Ou à l'essence. Et puis il y a plein de choses qui se passent, on le voit, donc c'est super intéressant. Ouais, c'est clair. On vit une époque formidable, les amis. Génial. Merci beaucoup Amélie. Allez, Amélie, maintenant. Alors juste une petite précision, Amélie, qu'on retrouvera demain dans De quoi je me mêle. Et on va parler d'un sujet qui me passionne et je sais qu'il te passionne aussi. On va parler d'Hyperloop avec Amélie. Ah oui. C'est génial Hyperloop. Et ce sera. C'est pas une loupe, hein. C'est un truc pour voir de près, mais en revanche, ça va très très vite. Mm. Et ça permet de se transporter très vite. On en parlera demain. Restez avec nous tout à l'heure. On a une surprise pour vous. Aymeric Siméon est en train de se harnacher et vous ne serez pas déçus du voyage. Ah, franchement, c'est dommage qu'on puisse pas faire un plan sur lui. On va le retrouver dans quelques instants. Il est superbe. Et juste avant, on parle de cybercriminalité. Avec le hashtag toujours 01Live, hein, on est en direct sur Twitter. N'hésitez pas, vous voulez parler de télécom, de 4G, de 5G, de fibre. Allez-y, hashtag 01Live. Et pourquoi ne pas parler de cybercriminalité? Rappelons que nous étions toute cette semaine, en tout cas lundi et mardi, au FIC à Lille. Et oui, normalement à cette heure-ci, c'est l'heure de la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Et bien aujourd'hui, c'est Noémie qui remplace exceptionnellement Delphine. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour Noémie, on retrouvera Delphine la semaine prochaine. La cybercriminalité, ça nous paraît parfois très loin, parfois très proche quand on en est victime. Et apparemment, les pouvoirs publics se saisissent de la question avec donc cette plateforme qui est censée venir en aide aux victimes de la cybercriminalité, Noémie. Exactement, cette plateforme va s'appeler, parce qu'elle va voir le jour d'ici quelques semaines, elle va s'appeler la CIMA, donc c'est le nom qui a été choisi. La comment? La quoi? CIMA, oui, c'est un petit peu obscur, il faut entendre Action pour la cybermalveillance, donc A-C-Y-M-A. C'est un dispositif qui est en fait lancé par l'ANSSI, alors là, il faut s'accrocher, l'ANSSI, c'est l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. Bah, c'est plus connu qu'ACIMA, hein, pour l'instant. Exactement. Ils sont basés où, l'ANSSI? Oh. Je ne sais pas, peut-être en Haute-Savoie. Attention, blague. Non, c'était la petite blague. Non, mais j'ai noté, c'était vraiment parfait. Ok, moi je vais y aller. Bon, ça va, écoutez, il y a eu pire quand même. C'est toujours un bonheur. Ils sont basés où? Ok, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, cet organisme est en effet un organisme public qui veille à la sécurité des réseaux de l'État, des administrations, qui peut également apporter un coup de main aux grandes entreprises, aux entreprises qui ont un intérêt économique important en cas d'attaque. Donc là, l'idée, en fait, de cette plateforme, ça va être de s'adresser plutôt au grand public, parce qu'on sait, évidemment, la cybermalveillance ne concerne pas du tout que les grosses structures. Mmh. Donc là, on a interviewé au FIC Guillaume Poupa. Guillaume Poupard, c'est le directeur général de l'ANSSI. Ben c'est, en fait, c'est le très patron, hein. Exactement, parce que c'est le patron de la sécurité informatique de l'État, en fait. Exactement. Pour lui, l'ANSSI ne suffisait plus. On l'écoute, il était au micro de Gilbert Kallenborn avec Thomas Rumiéré. Et ça laisse de côté, ce qui n'est pas satisfaisant, les petites structures, les PME notamment, qui sont très victimes aujourd'hui d'attaques et notamment de ransomware, mais également nos concitoyens,
qui aujourd'hui se font attaquer et ne savent pas trop vers qui se tourner pour trouver des solutions pragmatiques à leurs difficultés. Et donc le but de cette plateforme, c'est bien d'adresser la question des PME, des petites structures, pour faire de la prévention. Ça, c'est la partie presque la plus simple, même s'il faut bien le faire. La prévention, c'est porter des messages, publier des guides, publier des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Mais également, pour ceux qui sont réellement victimes, donc après l'attaque, les aider à comprendre ce qui s'est passé, les orienter vers des gens qui peuvent les aider. Et aujourd'hui, ces gens qui peuvent aider, c'est à la fois la partie dépôt de plainte, avec la gendarmerie, avec la police, et d'autre part, probablement, les prestataires informatiques et les petits prestataires qui sont capables de réinstaller votre ordinateur, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé à un niveau local. Donc en fait, c'est une plateforme qui est destinée à tout le monde. Exactement, ça vise vraiment le grand public parce que l'ANSSI s'adressait plutôt aux grosses structures et là c'est de s'adresser aux particuliers, aux petites entreprises. Puis la CIMA va également avoir une autre mission, ça va être celle de compter, messieurs. Parce qu'en fait, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun chiffre fiable sur le nombre cyberattaques. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir quoi faire. C'est ce que nous explique à nouveau Guillaume Poupard. Le nombre de victimes, c'est justement la question. Je ne sais pas combien il y a de victimes de cyberattaques. D'abord parce que certains ne sont même pas au courant qu'ils sont victimes, c'est malheureusement souvent le cas. Et puis beaucoup ne le disent pas, ne savent pas à qui le dire, ne vont pas porter plainte parce qu'ils disent que ce n'est pas la solution à mon problème. Voire même parfois c'est un peu honteux de se faire attaquer. Il y a encore des gens qui cherchent à cacher le fait d'avoir été attaqué alors que les victimes d'attaques informatiques sont avant tout des victimes. Donc des chiffres, on n'en a pas aujourd'hui. On peut en inventer, mais ce ne sont pas des chiffres robustes. Et c'est valable pour les petites comme pour les grandes victimes. Donc pour les grandes victimes, on a des dispositifs particuliers. La loi française impose aux opérateurs d'importance vitale de déclarer les attaques à l'ANSSI. Donc c'est une manière de traiter le problème. Mais pour les petites victimes, pour les PME, pour nos concitoyens, on a véritablement besoin d'un observatoire. Donc on va enfin y voir clair, Noémie. On espère. En tout cas, la CIMA, ça va être son travail les prochaines semaines. Donc en fait, elle va se lancer en plusieurs étapes. Dans 2 mois, ils vont commencer une expérimentation dans la région des Hauts-de-France, où se déroulait d'ailleurs le FIC 2017. Et puis, ils vont affiner en fait cette plateforme qui est assez nébuleuse pour le moment. Et elle sera étendue, a priori, à partir de fin août, début septembre, probablement. Pour l'instant, il n'y a pas de site, il n'y a rien. D'accord. C'est vraiment le lancement dans 2 mois, expérimentation dans les Hauts-de-France, et ça sera étendu à l'ensemble de la France courant fin 2017. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Noémie. À noter que si le FIC et si la cybercriminalité, la cybersécurité vous intéressent, 1-0 en live vous attend qu'on vous a proposé, c'était mardi dernier. Mardi soir en direct. Et puis Le replay est disponible. Voilà, et une multitude de vidéos sur zeronettv.com avec des cas spécifiques en fait de cybersécurité et de cybercriminalité. On parle notamment de médecine, mais aussi d'automobiles connectés, c'est très intéressant. Voilà, tout de suite, c'est la place au labo, nos spécialistes du labo qui viennent nous présenter des trucs, mais alors, vous n'allez pas en revenir. Ah non. Un petit coup d'œil sur notre question Zéro Net Orange. Juste avant, on en parlait à l'instant. Craignez-vous les cybermenaces? Eh bien, beaucoup à 43%, un peu à 41% et pas du tout 16%. Donc il y a quand même une véritable inquiétude, ce qui se comprend. Voilà, n'hésitez pas à enrichir ce sondage. Allez-y, votez, c'est sur zéronet.com et zéronettv.com. On vous attend. Toujours, si vous voulez interagir, le hashtag Zéro en Live sur Twitter. Direction le labo maintenant, Jérôme. C'est le labo qui vient à nous, la personne de Stéphanie Molinier pour commencer. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Avec un smartphone de ouf qu'elle va nous présenter dans un instant. Et à ta droite, un garçon, je ne reconnais même pas. Qui est-ce? Il est superbe. C'est ça. Il est magnifique. Mal, hein. Ouais. Ça impose le respect. Tu fais un peu flipper, hein, Eric. Ouais. Mais tout va bien. C'est l'héritage Ghostbuster. Ça m'a complètement traumatisé. On va nous parler dans un instant, Eric, de son sac à dos. Ouais. C'est ça. On commence par quoi? Ce que vous voulez. Bon, on va commencer par le petit téléphone pas cher. Allez, allons-y. Oui, voilà. Pas cher de présenter de un petit modèle entrée de gamme. Voilà. Chez Vertu. Aïe. Alors attention, entrée c'est de gamme Vertu. Tout à fait la ça, même ça chose. Ça matche pas. Donc en fait, c'est le nouveau Vertu Constellation. Voilà. C'est très classe. Hein. C'est très très classe. Constellation. Alors c'est un smartphone haut de gamme de par son équipement, mais pas seulement l'équipement, puisque c'est Vertu, donc c'est un fabricant anglais, et ce smartphone
est entièrement fait à la main. C'est d'abord le design, toujours ce vertu. Voilà, c'est un petit peu, je trouve, lourd. Oui, lourd au poids. Au poids, ben, voilà. Il faut en avoir pour son argent, ma bonne 240 dame. 240 grammes, quand même. Parce qu'on va vous donner le prix mais tout à l'heure. Bon, voilà, ouais, c'est le cuir, il est issu d'une tannerie familiale réputée. Ouais. Concernant, t'as la dédicace de la vache. Concernant le cadre, c'est de l'aluminium anodisé, qui est sculpté, qui est doux. C'est vrai qu'on est un petit peu moqueur parce que quelquefois on trouve que c'est un peu show-off, un peu too much. Mais là, moi, je le trouve assez beau, vraiment beau. Non, mais enfin, beau ça pour quelqu'un de normal. Pour quelqu'un quoi. De Dubaï, quoi. Le phénomène assez intéressant, c'est que on en avait présenté un, je crois, il y a un an et demi. Oui. C'était le modèle précédent, qui était aussi un modèle haut de gamme, qui coûtait à l'époque 10 000 euros. Celui-ci ne coûte que 4 100 euros. Ça commence à être abordable. Si même Vertu fait baisser les prix des smartphones, mais franchement, les prix c'est la fin Vertu. Du monde. Alors, il y a plein de choses à découvrir sur ce smartphone, parce qu'en fait, tout n'est pas visible comme ça hyper rapidement. Il y a le son qui oui, est vraiment travaillé. Qu'est-ce qu'il a que d'autres n'ont pas. Par exemple, il y a cette petite touche rubis sur le côté. On a une touche donc de couleur rouge, rubis. Oui. Et quand on appuie à l'écran. Quand on appuie sur cette touche, on va accéder à tous les services Vertu, donc notamment le service de conciergerie. Conciergerie, bien sûr. Et ça, c'est hyper important. C'est avoir une armée d'experts prêts à répondre au téléphone à toutes les demandes. On a aussi Vertu Life qui va se charger de réserver pour des événements complètement incroyables auxquels le commun des mortels ne peut pas accéder en général. Oui, oui, tu vois, on a quand même. Soirée de fou, François. On a quand même des choses qui trouvez-moi sont... Trouvez-moi des chevaux, des chameaux, des majorettes pour exactement, demain soir. Et des oies grillées. Alors, des sangliers poivrés. Donc l'équipement, on a dit haut de gamme, on a le procès... Non, mais... Vous êtes très perturbé par mon téléphone Vertu. C'est un joke, en fait, c'est pour ça. Et d'accord. Alors, l'équipement haut de gamme, certes, mais pour nous, les geeks, un peu décevant. Pourquoi ? Parce que donc on a comme Snapdragon 820, on a Android 6, là ça commence un peu... Disons que pour nous les geeks, on aime quand on achète un téléphone avoir vraiment le top du top, la toute dernière version. Donc là on n'a pas le Snapdragon 821 et c'est dommage parce que ce processeur il est mieux optimisé, il permet vraiment d'allonger l'endurance du smartphone, donc c'est un peu dommage. Et on n'a pas Android 7. Il faudra attendre la mise à jour, un peu gênant. Bon, pour le reste, c'est quand même pas mal. On a un capteur photo de 12 mégapixels, mais avec des pixels de grande taille. D'accord. Donc ça permet de faire des belles photos en basse lumière. On a quand même des haut-parleurs stéréo. Enfin voilà, tout est fait pour le confort de l'utilisateur. Parfait. Il y a Caribou qui nous dit, est-ce qu'on peut le payer en 200 fois, ce téléphone? Ça se tente, c'est faisable. Merci beaucoup Stéphanie. Non, mais si tu as envie d'avoir un produit vraiment d'exception... Évidemment, voilà, pourquoi pas. Ah, c'est quand même très joli. Puis il est très très beau. À l'arrière, écrit en anglais, c'est vrai que ce qui frappe, c'est le poids. En Angleterre. 240 grammes, oui, c'est... Il est très lourd. C'est une arme, c'est-à-dire que tu achètes une arme aussi en même temps. C'est ça. Merci Stéphanie. Lui aussi, il est armé, regardez-le, mais armé pour le gaming. C'est Aymeric Siméon. Alors, il n'a pas d'un coup comme ça eu une protubérance sur le front qui est sortie pendant la nuit. C'est pas non. ça. Quoique, non, ça non. pourrait être pas mal. Hein. Ça pourrait être pas mal. Ouais, ça peut arriver, vu ton métier en plus. Ouais, ça pourrait. Je pourrais avoir fusionné de dos, avec un casque on dirait une petite tortue ninja. Ou un chasseur de fantômes hein, quand même. Hein, c'est vrai, un Ghostbuster. Voilà, parce que, ça ressemble un peu à ça. Hein. Alors, présente... je peux peut-être même l'allumer, tiens. Ce que tu nous présentes, c'est pas ce que tu as sur le front, qui est donc un HTC Vive, mais c'est plutôt ce que tu as dans le dos, c'est voilà. ça Alors voilà, ce que j'ai à présenter finalement, c'est ce que j'ai dans le dos. Alors je vais peut-être l'enlever. De quoi s'agit-il? J'ai les habillés sous vos yeux ébahis. Ouais, ça c'est ça. Voilà. Si on peut mettre une petite musique un peu sexy. Alors je vais quand même garder le casque sur la tête, mais je vais quand même poser le colis sur la table. Alors en fait, je viens vous présenter le XMG Walker VR Backpack. Alors voilà, c'est super accrocheur comme nom, je veux dire, c'est vachement mieux que Constellation quand même. Évidemment. Voilà. puis ça reste, ça qui est bien, on l'oublie pas du tout. Alors c'est des Allemands qu'on connaît un peu au labo, hein, ils sont Schenker Technologies qui font ça. C'est les papas de XMG. Alors eux en fait leur savoir-faire c'est d'acheter des châssis un peu à droite à gauche et surtout de pouvoir en faire des machines de tueurs en fait. Hein. Donc alors là pour le coup, bon.
ce backpack n'est absolument pas référencé dans moult catalogues. XMG a travaillé dessus un peu dans son coin. Et propose le fantasme de tous ceux qui aimeraient pouvoir se mettre à la VR, c'est de s'affranchir des câbles. Ah, parce oui. que effectivement, un casque VR qui se respecte, ça a quand même des kilomètres de câbles. Qui sont connectés à un gros PC. Voilà, qui en plus vous ancrent quelque part dans la réalité. C'est quand même moche pour de la réalité virtuelle. Là, on te voit tout à l'heure parce qu'on a tourné ces images cet après-midi. Ouais. Là, tu es en train de jouer, mais tu n'es plus accroché à un PC. Non. C'est-à-dire que tu as tout sur toi. C'est ça. Ouais, mais ça n'a aucun sens, parce que de toute façon, si tu te déplaces, tu vas te cogner dans les murs, tu vas tomber dans les escaliers. Bah, c'est pour ça que sur le Vive, on a les petits plots qui permettent de délimiter la salle virtuelle, hein, oui. pour éviter justement de ce tabac. Alors, le but du jeu, c'est pas de sortir avec, hein, on se comprend bien, c'est pas de sortir avec sur le dos et d'aller jouer dans le parc ou quoi. Déjà, ce sera pas possible, parce que vous n'aurez qu'une heure d'autonomie en jeu, un grand maximum, avec parce qu'il faut quand même quelques chevaux pour que ça tourne, la VR. Là, il faut aller monter cousin, ça voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça a faim, surtout qu'à l'intérieur, XMG a mis tout ce qu'il fallait. De la carte GeForce 1070. On a l'équivalent d'un PC. On a comme un vrai PC portable gamer. Pour faire tourner Vive. Voilà, c'est ça. On a comme un vrai PC portable gamer sans l'écran. Et oui. Voilà, il n'y a pas d'écran. En fait, c'est ton masque. Voilà. Ou alors, je peux déporter, bien entendu, l'affichage, puisque finalement, je vais avoir la même connectique que sur un PC. Et donc. D'accord. Donc, tu peux très bien brancher un écran. Tout à fait. Et te retrouver avec un PC gamer traditionnel. Alors tout à fait, la transition, merci, c'est que XMG propose en option une alimentation pour pouvoir justement s'en servir de façon sédentaire. D'accord. Là, le backpack, il fonctionne avec deux grosses batteries, et en plus on peut même acheter des jeux de batteries supplémentaires sur le site d'XMG. Alors bien sûr, tout ça, ça a un coût, hein, on va y venir, mais sachez que bon, pour quelques centaines d'euros de plus, vous allez pouvoir passer de une petite heure et demie à trois heures de jeu, avec ça sur le dos. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça pèse son poids, un peu comme le Constellation de Stéphanie, sauf qu'on n'est pas du tout le même rapport. Hein, c'était 240 grammes, voilà. Là c'est 240 kilos en fait. Là on est un peu plus à 3,8 kg quand même, hein, donc je veux dire, ça commence à supporter un petit peu sur le dos. T'as un PC sur le dos, voilà. Avec la lime et tout. Voilà, avec les alimes, avec les batteries, etc., qui sont assez conséquentes, hein, qui sont des gros blocs. Donc voilà, alors la mise en œuvre est assez sympa, simplement, on a fait quelques essais déjà. On rencontre exactement les mêmes inconvénients qu'avec une installation PC standard. Hein. Faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on va avoir le PC sur le dos que le Vive va se connecter en deux coups de cuillère à peau et que tout va se synchroniser comme pas. Voilà, il faut savoir que avant de pouvoir craquer pour ce genre de petit matériel, il va quand même falloir passer par la dure phase de la configuration, et qu'on en a à peu près pour 30 à 40 bonnes minutes, le temps de tout mettre à jour, que tout soit reconnu, etc. Enfin, mine de rien, les contraintes du Vive demeurent. Voilà, les contraintes du Vive demeurent, ou de l'Oculus, peu importe, demeurent. Mais pour chaque partie ou le premier jour? Non, premier jour. Ah oui. C'est un peu comme quand... Voilà. Ça dit, c'est comme une console de jeu aujourd'hui. Si tu joues pas pendant 15 jours, tu la rallumes, as pour une demi-heure avant de la remettre... Voilà. Alors, ce fabuleux gadget est disponible sur le site donc de XMG pour la modique somme de presque 3000 euros. Rien du tout. Que dalle. Enfin, je veux dire, c'est une paille. C'est moins cher que le Vertu. C'est meilleur chez moi quand même. Hein. Et puis moi j'ai Windows 10, Android 6. Enfin, c'est dessus, pas des légumes non plus. Hein. Voilà. Voilà. Et pour ça, pour ce prix-là, donc je le disais, on peut avoir jusqu'à 32 Go de RAM, jusqu'à 2 Tera de SSD. Enfin voilà. Enfin pour ce prix-là, à partir de ce prix-là, puisqu'on peut monter très très haut. Nous, la configuration qu'on a reçue, juste pour vous donner une idée, avec les 4 batteries, on montait déjà à plus de 3300 euros. Waouh. Voilà. Et le résultat est exactement similaire à une installation fixe en termes de qualité, de fluidité, de réactivité. Pareil, t'as un vrai PC, comme un vrai PC sur le dos aujourd'hui. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'avec les cartes graphiques qui existent aujourd'hui pour PC portable, PC de bureau, comme on est arrivé, bon là dans le cas des Nvidia pour le coup, t'es arrivé à quasiment avoir très peu des cartes performance, on se retrouve quasiment dans les mêmes conditions qu'avec un PC. Je vous dis juste, la seule chose qui est sympa finalement, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être ancré dans la vraie réalité. On est vraiment dans la réalité virtuelle, et ça c'est plutôt sympa. Ce garçon est déjà dans une réalité parallèle. C'est ça. Alors bien sûr, c'est pas les seuls. Hein. On se souvient. Il y a plusieurs produits. On se souvient au Computex. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'étais rentré du Computex, je vous avais parlé du sac à dos MSI que j'avais pu. Voilà. Alors qui lui est en phase d'approche. Hein, il est quasiment fini. Et entre ce que j'avais vu au Computex et j'ai pu le voir là il y a quelques semaines, il y a eu des grosses évolutions. Et je peux déjà vous dire, spoiler, qu'il est déjà bien plus confortable que ce truc-là. Ah,
parce que mine de rien, c'est pas hyper confortable. Hein, on a quand même des sangles sur le dos, c'est un peu rigide. Ça peut chauffer comme, non ? Oui, bon, on est bien quoi. Tu dors le dos bien chaud. À l'hiver. Bah, c'est-à-dire qu'hiver, c'est bien. Ça, en ce moment, ouais. c'est tout à fait à propos. L'été, au mois d'août, tu maigris du dos. En fait. Voilà, il faut être costaud parce que c'est le mal de dos assuré. 3,8 kg sur le dos. En même temps, mon sac à dos quotidien fait 10 kilos. Enfin, je demande à vérifier. Mon sac à dos pour qu'il fasse des lingots. Tous mes lingots. Non, il met tu mets tous mes vertus. Alors moi, je vais m'immiscer un peu dans la vitrine. Je mets aussi mes vices, oui. Ses vices et ses vertus. Mais voilà. Il met surtout toutes ses box domotiques, parce qu'en ce moment, il est trimballe avec. Oui, j'ai vu que sur Twitter, il faisait des trucs bizarres avec ses filtres. De box domotiques, Jérôme, il les met tous dans son sac à dos. Je suis dans une grande période. Il a peur qu'on les vole. Vous savez. Mais il faudra que je vous raconte tout à l'heure. Jérôme arrive maintenant au bureau et il s'émerveille parce que ses volets roulants s'ouvrent tout seul, en fait. Et nous, on le regarde et on fait. Non, l'histoire est plus compliquée. On ne peut pas rentrer dans les détails. Mais bon. Non, surtout ne rentre pas dans les détails. Non. Mais on s'éloigne du sujet là. C'est sûr. Je finis juste pour vous dire que donc outre MSI, il y a Alienware aussi qui en prépare un. D'accord. Zotac aussi qui devrait peut-être donc bientôt arriver. Tendance, alors, oui, alors c'est une tendance, oui. Est-ce non, qu'il y a un vrai marché ou alors, c'est juste XMG s'en cache pas. Eux ils disent voilà, nous notre backpack, on considère que c'est beaucoup plus pour les pros et ceux qui développent de la VR que pour les gamers c'est un investissement, c'est un investissement supplémentaire. Non, mais dans quoi, les salles de jeux de réalité virtuelle qui commencent à apparaître, ça a un sens. Aussi, ça a un sens à partir du moment où on va réussir à avoir des machines qui vont tenir relativement longtemps sans qu'on ait nécessairement besoin toutes les 30 minutes ou toutes les heures d'aller recharger les batteries, attendre, enfin, repartir. Monique, 30 minutes ou une heure de VR, c'est déjà pas mal, hein. Oh, ça dépend, il y en a qui en font plus. Hein. Alors avec certains casques, c'est le mal des transports assurés, et avec le Vive, ça va. Bon. Eh bien voilà, merci beaucoup Émeric. Bah, je vous en prie, pas de problème quand vous voulez. Notre spécialiste PC gaming qu'on retrouvera dans 100% gaming, ce sera mardi prochain en direct sur Zeronet TV. Voilà, la question Zeronet Orange, dernier point de cette demi-heure. Craignez-vous les cybermenaces ? Eh bien oui, beaucoup à 45%, un peu 40%, pas du tout 15%. Vous pouvez continuer à voter. Donc il y a quand même une certaine psychose, hein. 85% de personnes qui se sentent concernées. Hein. Moi j'ai voté beaucoup. C'est vrai ? Ouais. Moi aussi, j'ai voté. Toi t'es inconscient, t'as voté, bon je sais pas ce que t'as voté. Non, beaucoup aussi. Le vote est secret, mais... Merci en tout cas de nous avoir suivis comme chaque jeudi soir pour ce Zéro en live en direct. On se retrouvera bien sûr jeudi prochain. Bien c'est sûr, probable. Merci à Jean-David Duarte, Thomas n'était pas là aujourd'hui. Non. Pierre Thiolin et puis Noémie que vous avez vu tout à l'heure. La semaine prochaine, on retrouvera toute cette fine équipe, bien entendu. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à bientôt. Salut à tous.